Attendez, on marche sur la tête là. On cherche une solution, Franck, c'est tout. Mais je vois pas pourquoi c'est moi qui devrais trinquer. Mais trinquer de quoi? Tu vas rester payé chez toi jusqu'à ce qu'on te retrouve un poste. Comment ça, un poste? Sur un autre site? Vous voulez me changer de site? Vous voulez que j'aille où? Non, mais on sait pas. On te dit, on va voir. Des sites comme les miens, il y en a 5 en Île-de-France. Vous n'allez pas m'envoyer à Marseille? On va voir, je te dis. Ah, c'est tout vu, je connais tous les directeurs, il n'y en a pas un qui bouge. Si, il y a Amado, à Sevran, qui veut partir dans le sud. On a parlé. Et en attendant qu'il se décide, je fais quoi, moi? Hein? Je vais à la pêche? Après ce qui s'est passé, s'il arrive quelque chose de grave, c'est sur moi que ça retombe. Pour ton salaire, tu l'as toujours intégralement, bien sûr. Et pour l'intéressement? Pendant quelque temps, tu feras plus de chiffres. Attends, tu veux dire que je vais perdre la moitié de mon salaire? C'est la moitié de mon salaire, l'intéressement. C'est l'histoire d'un mois ou deux. Mais si personne veut bouger, ça peut prendre un an, plus même. Vous n'allez pas les virer pour moi. Qu'est-ce que vous avez fait, Alex? Compte pas sur lui pour t'en tirer, poulette. T'es toute seule cette fois. Il n'a pas eu son compte, lui? Tu vas me foutre la paix, ouais. Salopard, psychologue de mes fesses. Bouge pas, connard! Bonjour, madame Julia. Coucou. Vous allez bien? J'arrive peut-être un peu tôt. Non, mais finalement, on n'a plus besoin de vos services. C'était lui, ton rancœur? Non. Non. Enfin, je suis là pour vos problèmes de lavage. Mais on n'a plus besoin de laver nos problèmes. Je veux dire, on n'a plus de problèmes. Enfin, de machines, voilà. Ah, oui. Bon, alors, je m'en vais. Oui. Tu veux voir ton sac? C'est quoi, ça? La boîte, là, c'est pour une affaire en cours. Aspergillus fumagitus. Oh, ouais, ça donne tout un tas d'infections, là, c'est dégueulasse. Ah, mais c'est immonde, ah, putain, toi et ton boulot chelou. Bon, vas-y, c'est bon, on remballe.